Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 18 de notre aventure sur Pokémon Noir en full random. J'espère que vous allez bien. Alors la dernière fois, nous n'avions pas fait grand chose. Hein. Au final, on a rien fait. Hein. On a juste avancé dans une route qui était quand même assez bien remplie en légendaire. Et c'est tout. On n'a même pas fait la grotte électrolyte. On devait la faire, mais bon, vu le temps que ça nous a pris à traverser la route qui n'est pas très longue au final. Hein. Je suis revenu ici dans le centre Pokémon de Poryoneuf, j'ai mis 2 minutes quoi, enfin j'ai pas mis longtemps, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de dresseurs, il y avait beaucoup de Pokémon sauvages, donc voilà, ça fait un long épisode, surtout que bon, je me suis un petit peu entraîné comme je vous l'avais dit, et bon, comment dire, Arceus c'est un Pokémon très commun au final, hein. Ce n'est pas du tout un légendaire, hein. C'est un Pokémon qui apparaît mais tout le temps, d'ailleurs là on va repasser par la route, on va le recroiser je suppose. Donc qu'est-ce que j'ai entraîné? Alors j'ai pas entraîné Tilton parce que c'était très long, il évolue vraiment très tard et j'avais vraiment la flemme de l'entraîner, ça m'aurait pris vraiment beaucoup de temps et bah, le temps, à chaque fois je dis que je vais le faire mais j'ai vraiment pas eu le temps, donc Tilton, je l'entraînerai vraiment quand j'aurai le temps. On va peut-être rencontrer d'autres Pokémon qui puissent apprendre vol d'ici là. Donc, même si j'aimerais bien voir en quoi il va évoluer, j'attends un petit peu. Je voulais tourner et si je l'entraînais, bah, vous n'aurez pas eu d'épisode. Donc, je préfère mettre un petit peu plus de temps. De toute façon, voilà quoi. J'aurai toujours le temps de l'entraîner. Quand il y aura un des plus gros Pokémon, il prendra plus d'XP. Donc voilà, j'essaierai de le faire pour la prochaine fois, mais voilà, il évolue niveau 35, donc c'est vraiment très très long. Peut-être qu'après on rencontrera d'autres Tilton, hein, qui sait, si on en rencontre d'autres qui sont plus haut level, pourquoi pas. Mais voilà, là je préfère le faire pour la prochaine fois. Pareil pour Mini Draco. Par contre, donc eux, ça sera des Pokémon, voilà, on sait que ces Pokémon-là ont des évolutions, donc... On les garde pour la prochaine fois. Idem pour Sorbébé, hein. Lui il évolue niveau 35 je crois aussi. Donc voilà, ces trois Pokémon là on les garde de côté pour plus tard. Bon lui aussi il a une évolution mais bon niveau 4, voilà quoi. Mais voilà, ces trois là, d'ailleurs je vais les déplacer. Hein. Regardez, on va les mettre ici tout en bas. Comme ça on saura que ces Pokémon là ont une évolution et qu'on... au moins voir si c'est de la merde ou pas, mais qu'on doit les farm pour la prochaine fois. Alors mon Ponyta, oui il est là, parce que j'ai mis le type Plouf dans l'équipe, juste pour voir en quoi il évolue. Je vais juste faire un petit combat, vous allez voir. Et pareil lui, mais c'est dans très longtemps, donc on peut le mettre au cas où, hein, mais c'est dans très longtemps. Et idem pour lui, alors... En fait, on va voir en quoi va évoluer Tiplouf. Si Tiplouf évolue en un Pokémon de merde, concrètement, je vais prendre Coquillage que je vais mettre en attendant à la place peut-être de Celebi. Pourquoi pas. Mais voilà, j'aimerais bien voir en quoi évolue Tiplouf. Alors pourquoi je l'ai pas entraîné? Tout simplement parce que bah, il évolue dans un niveau. Concrètement, voilà, c'est un Pokémon qui devait avoir son évolution au niveau 18 ou 16, mais il l'a pas eu. Donc en fait il va évoluer tout de suite au niveau 29, donc j'ai préféré le faire avec vous. Et donc on va voir s'il évolue ou pas, j'ai juste un petit peu entraîné le temps de monter juste à un combat près de son évolution. Et on va juste voir ensemble en quoi il va évoluer. Et s'il évolue en Pokémon cool, je le garde, s'il évolue en Pokémon de merde, ça dépend. Après si ce Pokémon peut avoir une évolution pourquoi pas, mais bon là on verra bien. Alors... à faire route, point de feu pardon. Hop, j'accélère hein, parce que bon, c'est pas un combat très intéressant. Par contre, je vais laisser un petit peu le son dans mon casque, c'est un peu fort là. Alors, hop. Ah bah, c'est nickel. On l'a brûlé, allez hop. Voilà. Niveau 29, et donc, ouais, il va apprendre pic-pic. Pic-pic, bon, à la place de grimace. Hop, direct. Alors, voyons voir l'évolution. J'ai pas envie de regarder. Alors, Pingui. Oh là là. J'ai pas envie de voir. Je regarde pas, hein. Je regarde pas. Je vais boire. Voilà, je vais boire tranquillement. Toujours la même chose que d'habitude. C'est quoi ce Pokémon? Un déflaisant. Eh, mais il peut apprendre vol. Oh. Bah voilà, il peut apprendre vol. Ouais, déflaisant, pourquoi pas.
Est-ce que Déflaisant a une... Je crois qu'il a une évolution, hein, en plus. Intéressant. Intéressant, intéressant. Donc du coup, on va lui apprendre vol à ce Pokémon. Bon, on va le garder. On va le garder pour le moment. Toc, 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 toc. Utiliser. Bah, sur Pingui. Oh, du coup, son nom n'a plus rien à voir. Il a une évolution, je sais pas quand est-ce qu'il évolue par contre. Non. Bah, à la place de Pipic, hein, concret. Non, mais ah, je me trompe, je fais de la merde. Excusez-moi, hein. À la place de Pic-Pic, voilà. Voilà. Bah écoutez, on le garde. Alors, est-ce que j'enlève un autre Pokémon? Est-ce que j'enlève Celebi ou est-ce qu'on récupère au galop? Je ne sais pas. Ça va être rigolo au layout de changer mon Pingui. Je sais pas. Déjà, on va le soigner. On va partir, hein, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Alors déjà, je vais faire un truc. Je vais acheter des bidules, car j'en ai plus. Des Pokéballs, j'en ai 8. On va prendre 7, allez. Des Super Balls, ça peut toujours être utile. On va en prendre 5. Des Hyper Balls, ça par contre, je suis à la dèche. Ah ouais, on va en prendre 7. Allez hop. Alors des potions 2. Des super potions 3. Des hyper potions. On n'a pas besoin. Des rappels, j'en ai 6. Ça, j'en ai 2. Ça, j'en ai 5. Ça, j'en ai. Ah! Bon, on va prendre 3. Hop. Ah, c'est vrai que j'ai des total soins en fait. En fait, c'est con. J'ai des total soins, autant prendre des total soins. Vendre. Bah, attendez, 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 attendez. Je fais les choses bien quand même. Hop. Voilà. Bah, on va revendre. Ouais, on va revendre. Anti-brûle. Anti-para. Anti-gel. Parce que toi, t'as le soin, ça. Ouais, ça sent une statue, donc même le réveil en fait. Et même l'antidote. Voilà, allez hop. Est-ce que j'ai des super repousses par contre? C'est intéressant aussi. Des max repousses, pourquoi pas. Allez hop. On est pauvre de chez pauvre. J'ai pas des trucs à vendre. Attendez, attendez. Est-ce que j'ai des choses à vendre là-dedans, par exemple? Pas des pépites. Gros champi. Ouais, voilà, par exemple. On va vendre un gros champi. Ah oui, c'est vrai que j'ai plein de pierres, mais j'ai pas la pierre foudre. Pouce étoile, on va vendre aussi. Défense plus, je m'en sers pas, on va revendre. Non! Je me suis trompé. Précision plus, on va revendre aussi. Allez hop. Ok. On va faire. Hop. Voilà, c'est rangé. Du coup. Attendez, attendez. Déflaisant. Est-ce qu'on garde miracle ou pas? Le truc, c'est que. Au galop, il a bout de feu. Bon, allez, on va mettre au galop pour l'instant de côté. On va prendre Déflaisant. Déflaisant peut être utile. Et on verra bien. Il me semble qu'il a une évolution. Hein. Déflaisant, il est évolué pas en Nidoraptor, je crois, un truc dans le genre. Quel niveau, je sais pas. Ah, peut-être, ça sera pas niveau 30. Oh! Attendez, ça pourrait être cool. Bon, allez, on va avancer. On va se remettre là où on était. On va faire la grotte électrolyte, du coup. Alors, je me permets quand même d'accélérer parce que ça va être très long. Non mais sors bébé. Allez, sors bébé, tu vas te prendre point de feu. S'il évolue niveau 30, ça serait vraiment très cool, mais je suis pas sûr.
Oui, non, mais les Pokémon, s'il vous plaît, stop. Hop, on va faire vol. Voilà. Je préfère quand même prendre du niveau, hein. Oh là, mais... je cherche plus à le capturer, hein. Qu'on se mette d'accord, je ne cherche plus du tout à le capturer. En plus, c'est une vraie plaie à le battre, sans déconner. Il donne la masse d'XP, hein, mais c'est une vraie plaie à le battre. Parce qu'il a abri, soin. C'est vraiment horrible, ce Pokémon. Allez hop, vol. Et Dracogriff en plus. Il est pété, mais voilà, en vrai... Il n'y a plus qu'un combat, peut-être qu'il évolue... Ah, sans déconner, mais lâchez-moi. Dardarian. Bon, allez, on va faire point de feu. S'il évolue pas niveau 30, je lui mets une super repousse. Putain, j'y ai cru. Ah, j'y ai cru. Il me semble qu'il évolue, hein. Au niveau 30. Dites-le moi dans les commentaires si c'est le cas. Ou pas. Mais il me semble qu'il évolue niveau 30. Alors, on va se remettre. Et oui, au fait, la dernière fois, on va se souvenir quand même ici. J'avais dit de capturer un poussifeu. Mais en fait, non, on avait déjà capturé un poussifeu. Et c'était Pupiu, en fait. C'est vrai que les Pokémon, tellement ils sont random. Et qu'ils évoluent aussi random. Que... Bah, que j'avais plus fait gaffe, mais oui, donc ça sert à rien de le capturer, on sait déjà en quoi il évolue. Allez. Alors. Ici. Ah oui, non, c'était... D'accord, ok. Donc. Pardon. Désolé pour l'attente. Oh oh. C'est une toile de Megavolt, ou je m'y connais pas. C'est un Pokémon électrique. Qu'est-ce que ça affiche là? Je sais point. Mais pour les soucis, il y a les champions pour t'aider, je te le dis. Allez, escroco, go! Mec, il a un escroco alors que j'ai jamais vu. Hein. Et avant que j'oublie, t'as bien mérité cette petite CT. Ma préférée, je te dis. Piétisol. Piétisol, qu'elle s'appelle. Elle affiche des dégâts et ça ralentit l'ennemi. Comme une seule, c'est rapide. Ouais. Bah écoutez, je sais pas jusqu'où ton talent peut te porter, mais si tu crois que tu peux le faire, te retiens pas. Ok. Oui. Écoutez, on va peut-être l'apprendre à. On va peut-être l'apprendre à Bidule, à Pupiu. 60 de puissance. À la place de Polyroche. Voilà. Je regarde un petit peu les attaques que j'ai. Hein. Représailles, c'est ténèbres. Ouais, mais... On a ébullition, attraction, repos... Tombe-roche. Tombe-roche, c'est vrai que c'est pas mal aussi, hein, Tombe-roche. D'ailleurs, qui peut apprendre Tombe-roche? Une grosse main peut apprendre Tombe-roche? Ouais, mais à la place de quoi? Ouais, non. Ah, c'est vrai qu'il y a tunnel. Oh, tunnel, ça peut être... Bon, on va garder Piétisol. Qui peut apprendre tunnel? Attendez, on va juste regarder qui peut apprendre tunnel. Il peut apprendre tunnel. J'aime bien anti-air par contre. Si ce dernier vole, il tombe au sol. Ouais. Après, peut-être que tunnel c'est mieux qu'anti-air en vrai. On va lui apprendre tunnel. Parce qu'anti-air, bon voilà quoi. Puis, je sais pas, je l'ai pas anti-air? Non, je l'ai pas, mais bon. Allez, on va avancer parce qu'on est déjà bien avancé dans l'épisode et on n'a toujours pas fait la grotte. Oh là! Suis-nous. D'accord. Coucou copain. Maître, votre ordre a été exécuté.
Merci. Tu viens de rencontrer deux membres du trio des ombres, les plus fidèles membres de la team Plasma rassemblés par Gettys. D'ailleurs, ce sont eux qui avaient mis en place la toile de Megavolt à l'entrée. La grotte électrolyte. Que j'aime cet endroit. L'électricité y dessine des équations. Le lien avec les Pokémon est palpable. Et aucun être humain n'est à l'horizon, un lieu idéal pour moi. Dis-moi franchement, j'ai décidé que tu serais mon antagoniste. Est-ce une surprise? Non. Tu me déçois. Tu ne comprends pas. Donc la surprise n'a aucune prise sur toi? Bah non. J'ai parlé de ton groupe à Gettys. Et il a envoyé le trio des ombres se renseigner sur vous. Turen, ce jeune inconscient, s'illusionne dans son idéal de force. Bianca, la malheureuse, doit affronter une cruelle réalité. Tout le monde ne peut pas devenir plus fort. Tu ne te laisses aller à aucun de ses travers. Tu me sembles équanime, voilà qui me plaît bien. La team Plasma est embusquée un peu plus loin. Gettys veut vérifier quel est ton niveau. Ok. Mais moi je veux vérifier ce qu'il y a dans la grotte. Ah d'accord, c'est les Pokémon. Il y a des galopas ici. Bah ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. Coup de boue. Je suis sûr qu'il évolue, hein. Ah, peut-être niveau 36. Bon, par contre, on va... Oui, bah en fait, c'est pas ce que je voulais faire. Ouais, mais d'accord, ok. Pokémon, on va changer. On va prendre... allez, on va prendre Je rêve. Tunnel. Voilà. Oui, j'ai accéléré parce que c'était très très long. Et voilà, c'est... D'accord. Oui, alors. Galopa, voilà, mais je veux partir. On attend de voir juste... Octiri. Oh ouais, bah alors non. Ok, on s'est débarrassé de lui, c'est pas pour le revoir. Je vais juste voir quel autre Pokémon il y a. Eh oh! Non! Oh non, pas elle! Fito, tu sais quoi? Les pierres qui flottent, ben si on les pousse, elles bougent. Bravo! Pas vrai, hein, professeur? Qu'est-ce qu'elle fout là, elle? Hello! Alors, Fito, ça boum? À cet endroit déborde d'une énergie qui fait le délice des Pokémon. Certaines pierres en sont saturées et peuvent donc flotter. Ce qui ne veut pas dire qu'elles peuvent être être déplacées, bien sûr. Mon père m'a demandé de retrouver un Pokémon en forme de rouage, Tick. Je recherche l'origine des Pokémon, la période où il serait né. Alors, ça rigole pas avec moi. Mais j'adore chercher, moi aussi c'est tellement top. D'ailleurs, tiens, j'ai quelque chose pour toi. Love Chance ? C'est quoi ça ? Fais tenir Love Chance à un Pokémon et il gagnera plus d'expérience en combat. Un Pokédex est plus facile à remplir avec des Pokémon plus forts. Ah bah cool. Je vais donner la chance du coup. Bah elle est où? La chance. La chance. Bah la chance, t'es où? Ah il est là. Donner. On va le donner à Pingui. Et au passage, on va quand même un peu le soigner. Potion, potion, là. Voilà. Du coup, tu te barres. Non mais... Des méganiums, d'accord. C'est stylé méganium, mais j'ai pas envie d'un méganium. Allez hop. J'ai pas envie d'un méganium. C'est stylé, mais c'est nul en vrai. Ah, il a vampirisme quand même. Mais c'est pas un Pokémon que... Puis il évolue pas, donc c'est nul. Non, on veut des Pokémon qui... Oh, on veut de la surprise quand même, on veut des Pokémon qui puissent évoluer et tout. Tu te barres? Ah non, je dois... D'accord. Ok. Donc pour l'instant, on a vu 3 Pokémon différents. On attend de voir si on a des autres. Antipara, oui. Alors.
Anorith, c'est grave stylé, je sais pas quel niveau il évolue, mais on va l'attraper. On va essayer de l'attraper, allez. Oh là, par contre, faut pas qu'on... Ben voilà, on est à Nanorite, on entraînera tout ça, hein. Ne vous inquiétez pas, pour voir en quoi il évolue ce Pokémon. Donnez un surnom. Non, ah, je me suis trompé, ah zut. Tant pis, c'est pas grave. Quand on aura un mec qui... Le mec qui change les noms, on changera son nom, ne vous inquiétez pas. Tellement l'habitude de jamais donner de nom, en fait. Alors, sac. Là par contre, on va quand même... Wesh, c'est quoi tout ça? Non. Ouais, c'est vrai que j'ai tout ça. On donnera à nos Pokémon, mais avant de faire la ligue par exemple. Pour l'instant, on n'a même pas vraiment d'équipe fixe quoi. Swimball. Oui. Ça a bugué, c'est pas grave. Allez, combat contre un petit dresseur. Alors t'as quoi? Un piaf à bec. Pourquoi pas. Point de feu. T'es sérieux? Tu résistes à point de feu toi? Une herbe. Ok, ça fait... Oui, on a compris. Hop. Ben, gros point de feu. Mais... Ben voilà, il est mort. Niveau 31... Ça serait bien qu'il ait vu niveau 32, mais je pense pas. Je ne pense pas. Ah oui, donc là, on peut déplacer, je pense. Non? Non? Non. Si? Non? À quoi ça sert de faire ça? Il y a un objet ici, ou... Ah oui, j'ai trouvé un élixir. Bon bah écoutez, on a un élixir, c'est plutôt cool. Yo mec! Voilà, au bout d'un moment... Bon après c'est vrai que je joue avec des légendaires, donc les dresseurs aussi, ils en ont... je sais même pas ce que t'es. Alors j'accélère parce que c'est un peu long en fait. Ces combats là, les dresseurs, voilà quoi. Je sais même pas quel type il est ce truc. Ouais, Pichu. Bah dites le moi vraiment dans les commentaires si ça vous dérange hein, quand j'accélère comme ça. Mais bon, les combats contre des dresseurs, voilà, c'est pas non plus les plus ouf. Qu'est-ce que t'es toi? Ouais, alors tu te calmes. T'es pas psy. Ouais, mais calme-toi, wesh. Oula. Ok, tu veux la jouer comme ça. On envoie Godlarve, ne t'inquiète pas. Godlarve va s'occuper de toi. Oui, fais ton truc. Godlarve va te faire hurletant, tu vas rien comprendre à ce qui se passe. Tu vas juste mourir. Comme un gros caca. Ah, on est quand même déjà à 24 minutes. Oui. Wesh. Allez, on te fait petit coup de boule. D'accord, t'es bien psy. Bien ce que je dis. Bon, allez, draco que. Le mec, il fait grave psy, quoi.
Il a failli tuer notre Godlarve. Bon, on passe niveau 36. Piu-piu niveau 33. Piu-piu, il évolue niveau 40, hein, je crois. C'est pas tout de suite. Une hyper potion, parce que là, notre Godlarve, il a pris vraiment cher. Et une super potion. Alors, sur toi et sur toi. Donc là, il n'y avait rien. Donc nous... Mais attendez. Bah, je fais comment là? Attendez. Hop. Bah... Ah bah voilà, elle se pousse. D'accord, mais ça règle pas mon problème en fait. Je suis bloqué là ou ça se passe comment? Attendez, il y a un truc que j'ai mal fait. Mais ça se pousse pas ça? Ah, peut-être de l'autre côté? Ouais, je sais. Voilà. Ah, bah voilà, de l'autre côté en fait. Oh non, elles me suivent. Hello! Alors, tu as trouvé quelque chose? Presque terminé de récolter les données, enfin je crois. Cette grotte est extrêmement ancienne, mais les témoignages d'existence des tiques ne remontent qu'à une centaine d'années. Dingue, non? Ça veut dire que l'apparition des tiques ne serait que de 100 ans? Ça me défrise grave. Les Pokémon, d'où viennent-ils? Où vont-ils? Que des questions. Si nous pouvions le savoir, on pourrait s'entendre grave mieux avec eux. J'en suis persuadé. Dis Philito, les Pokémon, c'est pas des super petites choses géniales mystérieuses? Pourquoi ils vivent avec nous, hein? Ok, on se pose des questions existentielles. Il y avait un truc là en bas? Oh, un débugant! Oh, c'est grave stylé ça, un débugant! Ça évolue, je sais plus comment ça évolue, mais ça évolue. Allez, point de feu! J'ai tué un débugant avec point de feu. Attendez, mais alors, il y avait un truc en haut? Oh là là, j'aime pas ça. Il y a trop de chemin. Bon, encore un dresseur, on est déjà à 27 minutes. Moi, Morpheo, j'accélère pour ces combats-là. Dites-le moi vraiment si ça vous dérange, hein, mais... Bon, c'est pas les gros combats. Hein. Hop, t'es brûlé. Dans ta figure. Je te fais vol. Morpheo et Nucléo, d'accord. Allez, hop. Pouf. Voilà. Allez, hop, on est débarrassé de toi. Ça serait la team placement encore, mais là, bon, c'est un petit montagnard à la con. Alors, attendez, moi, je dois aller où? Ah! Ah oui, donc je dois aller en bas. Parce que je peux pas le déplacer, ça. C'est au retour. D'accord, donc moi, je dois aller en bas. Bon, on va en bas. Oh là là. Suis-nous. Une Pokéball? Un escalier se trouve devant. Descends-le. La team plasma t'attend. Hyper potion. Y'a pas une pierre plante? Une pierre foudre normalement ici? Ok, c'est comme ça. Encore un autre débugant? Ça se passe comment? J'aime beaucoup Ectoplasma. Il a des roqueux. Allez, on va essayer de le capturer. Allez, je le tue pas avec une herbe. Bon bœuf. Ouais, allez, hop. Ah, c'est bien. Juste pour le style, franchement, je le capture. Ça peut être grave stylé. Au moins, on aurait un Pokémon... intéressant, pourquoi pas.
Comment on va l'appeler? Alors, on va l'appeler. Hop, minuscule. On va l'appeler. Grimace. Voilà. Salut. On vous aura un épisode un petit peu plus long, hein, du coup. Oui, bon, alors, peau sirène, franchement, c'est pour avoir un peau sirène. Là. Parce que là, s'il y a la team plasma à combattre, ouais, ça va durer au moins 40 minutes, l'épisode. Force ajoutée, d'accord. Allez, bim, ton poids sirène, tu le gardes pour toi. On va changer un peu de Pokémon. On voit une miracle. Et on va utiliser une petite potion. Par contre, j'aimerais bien avoir la pierre foudre. Si ça vous ne dérange pas, le jeu. Ça serait grave gentil. Parce qu'il y a un petit Frony qui attend là. Justement. Oui, alors. Non, 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 non. Allez, max repousse. À quoi ça sert de faire ça? Il y a forcément un objet. Ah bah oui. Ah oui, attendez. Non? Ah bah non, en fait non. Si? Bah merde alors. Ah non, j'ai pas fait le bon. Voilà. Je voulais la pierre foudre, moi. Non mais... Ah, hé! Coucou! Coucou, bonjour! Y a des gens? Oh oui, il y a des gens. Attendez. Ouh là là! Trop de chemin. Bah d'accord, merci, c'est très gentil de votre part. Bah oui, merci. Ok. Attendez, 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 attendez. La team plasma est là-bas, d'accord, ok. Chronoball, mais là-bas il y a peut-être un truc alors. Ça doit être un cul-de-sac, donc on va aller dans le cul-de-sac d'abord. Évidemment. Ah non, c'est pas un cul-de-sac en fait. Non, j'ai oublié le re... Oh, Caninos! Caninos! Oh, Caninos, Caninos, Caninos. Ouais, bon, obscur. Ça évolue, ça. Oui. Allez, fais ça si tu veux. Ça évolue, ça évolue. On capture, évidemment. On le tue. Bah, tant pis. On saura qu'il y a des Caninos ici. Allez, super repousse. On est vraiment très avancé dans l'épisode. Désolé si l'épisode sera long. Mais c'est quoi? Ah! Il va me soigner lui. Oui, allez hop, je sais, t'as un seul Pokémon, un Machopper. D'accord, allez hop. Prends-toi ça dans ta face. Bon, allez, fais ça si tu veux. On va faire Cotogarde. D'accord, il m'a. D'accord, bah. Oh non, eh oh! Méchant! Pas gentil! Wesh, 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 calme-toi, calme-toi.
Hop, côte aux gardes. Oui, fais choc venin. Voilà, t'es mort. Et on passe niveau 30 avec Celebi, oui. Bon, tu me soignes maintenant. Voilà. Là, il va rien. Hein. Ouais, d'accord. Et là non plus. Allez, Team Plasma. Magnéti. Ma flamme bleue. Voilà. Xatu, on va prendre Je rêve. J'espère que la plupart des gens sont encore là et qu'ils n'ont pas abandonné. Ah, on est à 36 minutes. Non, je voulais pas faire ça en fait, mais c'est pas grave. Oui, tu fais croissance, c'est bien. Allez hop, on accélère un petit coup. Vent glacé. Voilà. Togepi, on va garder Je rêve. On va faire point éclair. Il a quand même tanké, hein. Le petit. Hop. Bah, on re-point éclair du coup. Oula. Bon, on accélère encore une fois. Sans coquille, sans coquille, je sais pas ce que t'es toi. On va faire marteau bois, pour que t'es roche. Ouais, ça doit être ça. Ouais, ils sont partout en vrai. Bon, je lis pas parce que bon, c'est un peu nul hein, ce qu'ils disent, hein, on est d'accord. C'est vraiment grave nul. Latias, voilà. Bah, Latias, c'est. Oui. Bah, oui, d'accord, oui. Bah, pourquoi pas. Légendaire. Vibre obscur. Il a aura sphère. Bien, bien. Vibre obscur encore. Écaillon. On va garder et on va faire marteau bois. En espérant ne pas crever. On va le soigner après. Ne vous inquiétez pas. Voilà, on va changer de Pokémon, on va envoyer Je rêve à la place. Oui, 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 hein. Alors c'est toi le dresseur dont le roi parle tout le temps, bah oui. C'est moi le grand méchant dresseur qui vous défonce la figure. Ouf. 3 Pokémon. Bon, on va se tourner, je crois qu'il est Vol Ténèbres. Bon, mais de toute façon, point éclair, ça devrait le calmer, je pense. Voilà.
En même temps, se manger point éclair de Raikou. Philali. On garde. Vent glacé, est-ce que ça va le tuer? Presque, presque, presque. Gicle d'eau. Bah vas-y. Hein. Vas-y. Ça ne me dérange pas. On va faire Draco Charge. Voilà. Méganium. Ouais, on va envoyer Miracle. À faire flamme bleue. Voilà. Il y a encore un sbire. Ouais, il y en a vraiment plein partout. Voilà là. Bon allez, on accélère encore. De toute façon, c'est vraiment des combats nuls en vrai. Allez, je te fais tunnel. Pif. Vas-y, fais mieux en mieux. M'en fous, de toute façon, voilà, avec tunnel, t'es mort. Ça par contre, quoique en fait non, en fait Draco charge, c'est un type dragon seul. Non, dragon, 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 hein. Juste dragon. Voilà, allez, combat nul. Ils sont pas dignes de moi. Non, allez. Pierre foudre. Oui, on a la pierre foudre. Ah ouais, mais je dois faire des combats. Ah, moi je voulais voir en quoi Frony allait évoluer. Et ça descend encore en plus, c'est ça le pire. Je pense qu'on va se laisser là en fait. Moi j'étais un Darkrai, c'est mon Pokémon préféré. Enfin l'un de mes Pokémon préférés avec Mewtwo et Ectoplasma. Je le veux trop. Donne-moi ton Darkrai, wesh, attendez. Là par contre, je suis pas d'accord. Ce sbire a un Darkrai. Ce sbire a un Darkrai, je ne suis pas d'accord, je veux son Darkrai. Oui, allez, on a compris, Darnué. Mais, attaque. Pourquoi un sbire... En plus, la coupe croix. Putain. Je veux ton Darkrai, mec, tu l'as eu où? Dis-moi où t'as eu ton Darkrai. Je le veux. Niveau 31. Voilà. Non mais elle a un Darkrai la meuf quoi. Attendez, Où est-ce qu'on va là? J'ai pas de Darkrai moi. Bah j'ai un Celebi et un Raikou, mais je veux un Darkrai. C'est grave stylé un Darkrai. Et toi? Alors attendez, parce que là ça monte, ça descend, je sais pas où on va, il y a encore un autre l'autre côté on pouvait monter. Oh là là. Je crois qu'on va se laisser ici en vrai. En plus l'épisode est vraiment long, on va continuer la prochaine fois. On va juste terminer ce combat là. Allez, Raikou. Tunnel. Bam. Voilà. Miraco. On garde. Draco charge. Bam, dans ta figure, voilà. Voilà, voilà. Alors... Est-ce qu'en haut il y a des trucs? Je ne sais pas. Je pense que ça va être là-bas. Bah écoutez, on va se laisser pour cet épisode qui est déjà très très long. Donc on continuera les combats la prochaine fois. Je pense qu'on devra affronter Getis ou alors N. Bon, ouais, on fera ça la prochaine fois. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, malgré le fait qu'il soit très très long. J'espère que ça ne vous a pas dérangé, le fait que j'ai beaucoup accéléré. Mais bon, après, les combats contre les petits dresseurs à la con, puis les combats contre les sbires, bon, voilà, c'est pas non plus les combats les plus passionnants de ouf. Mais voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, et puis bien la prochaine fois, on combattra la Team Plasma encore.
Et une fois qu'on aura sorti de, on sera sorti de la grotte, on arrivera du coup à la prochaine ville, je pense. Et là, on fera bah, du coup évoluer Frony, puisqu'on a la pierre foudre, et voir en quoi il évolue. S'il évolue en Pokémon classe, peut-être qu'on le gardera, on verra. Et s'il évolue en Pokémon nul, bon bah là, on le gardera pas, hein, tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis, voilà. On se laisse, et à la prochaine. Allez, bye tout le monde.